Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de chasse. Donc, il y a des scènes qui peuvent choquer. Donc, voilà, si vous ne voulez pas être choqué, ben, ne regardez pas cette vidéo. Ça évitera de mettre des commentaires désagréables par la suite. C'est une vidéo où vous allez voir plusieurs tirs de sangliers en Ardèche, dans ce département qui m'a donné beaucoup de mal pour arriver à voir les sangliers. Ça fait plusieurs années que je vais en Ardèche, ça arrive voir, mais j'en avais vu assez loin. Donc voilà, j'avais dit que j'avais une malédiction du sanglier ardéchois, la malédiction du sanglier ardéchois. Donc cette année, elle a été rompue, plus que ça même, parce que j'ai eu la chance d'aller à 4 communes différentes cette année en Ardèche, et j'ai tiré 5 sangliers. Dans chaque commune, j'ai vu des sangliers, donc comme quoi, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et voilà, je tenais à remercier tous les collègues qui m'ont invité, Julien à Vallon, Kylian à Bannes, Damien à Mirabel et Thierry à Auteuil. Donc merci à vous de m'avoir invité. Merci aussi à tous les autres qui m'invitent tous les jours. Bon, malheureusement, je ne peux pas aller partout, il me faut travailler un peu. Parce que si je gagne l'auto un jour, ben je pourrais aller chasser tous les jours et j'irai vous voir, promis. Mais là, malheureusement, je peux pas répondre à toutes les invitations, mais je vous remercie quand même de m'inviter, c'est très gentil de votre part. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et puis je reviens tout de suite. Là-bas. Je vais faire autour de 40. Et là, des fois, il y en a un qui te dit il fait 60. Ouais. Il n'y a pas de pied, rien. Où il est? T'inquiète, où il est? C'est pour ça que je fais pas le pied avec un chien nerveux pour faire ça, tu vois, tranquille. Ouais. Ouais. Pas énervé. Il est là. Là. Elle dit non ou elle dit oui? Oui. Elle a secoué sa tête. Ouais. Allez, c'est bon. J'ai compris. Il y a ma vie. Allez. Normalement, on doit les lever aujourd'hui. C'est bien. Ok. C'est bien. Bravo, Friquette. Écoute, léger là-bas. Ouais. Je pense que c'est moins bon.
Il est passé, il y a la maison. Je peux pas tirer. La même, c'est la même portée que celui du Damien. Mais tu mets ça. C'est incroyable. Les gars, ils emportent des sangliers à 80 kg, comment il faut, comment il faut. Moi, je le ferai pas. Par hasard, il y a le jus à part. Ah bon? Ça, c'est bien ce système que tu as fait par contre. Hein. Ouais, ça évite. De, tu pourrais tout sinon. Chez nous, c'est pas ça. Hein. Hein? Chez nous, c'est pas ça. Ouais, mais non, mais c'est vrai que c'est le mieux. Hein. Mais au moins. Au moins. Ouais. Dépecer, c'est pas très intéressant. Donc, du coup, celui qui a tué, ben, il s'est fait un peu plaisir. J'ai c'est fait la bite, j'ai blessé le sanglier et Sébastien l'a tué au ferme.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien voilà, l'Ardèche, la malédiction est définitivement rompue. Donc merci à tous ceux qui m'ont invité encore. Je vous donne rendez-vous donc le mardi 18 février, ce sera le troisième mardi de février. Comme je vous le savais, tous les premiers mardis du mois et tous les troisièmes mardis du mois, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là, ça sera à Gigondas, chez mon ami Florian Carré, et je résumerai deux battues. Et parce que la première, j'avais pas eu l'occasion de tirer, la deuxième, j'ai eu l'occasion de tirer. Mais la première, on a fait le pied, avec les chiens, il y a un collègue qui tue un sanglier, qui le tue au ferme, je le filme. Donc voilà, il y a quelques belles scènes quand même que je voulais vous montrer. Donc du coup, je regrouperai aussi ces deux battues pour vous montrer cela. Voilà, donc à très bientôt, soyez très prudents encore. Et puis, bonne chasse et vive la chasse, vive la chasse. Ciao les amis, à bientôt. Des vêtements personnalisés avec mon logo devant côté cœur et derrière ou mon logo en gros ou votre prénom, votre surnom ou le nom de votre équipe, enfin, ce que vous voulez. Donc j'en fais des oranges fluo et des verts et c'est des t-shirts, sweat à capuche ou veste. Je fais également des étuis en cuir pour balles, passant renforcé, modèle tracker et modèle posté. Et je fais également un accessoire indispensable pour tous les chasseurs, c'est bien sûr une laisse. Qu'on chasse le petit gibier ou le grand gibier, qu'on soit posté ou tracker, on a tout besoin d'une laisse. Donc j'ai fait faire des laisses orange. Si vous êtes intéressé, il suffit de me contacter par mail ou alors sur Facebook, mon compte ou ma page Bruce Brunter Chasseur Gardois. Voilà, merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à bientôt.